Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ah oui, en fait, j'ai oublié de le dire. C'est Mister Diamond Minecraft. Hein. Je pense que vous l'avez deviné en allant voir la vidéo. Vous l'avez deviné, c'est un feu rouge. Donc, c'est un petit tuto. Enfin, un petit tuto qui va prendre un peu de temps quand même. D'un petit délire entre potes. Puis ça m'est surtout venu parce qu'en fait, en cours de techno dans mon collège, on voit des systèmes motorisés et on parlait des feux de chantier et tout, motorisés, voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé, est-ce que je pourrais faire ça sur Minecraft? Et là, je suis arrivé. Bon, je crois que ça fait une heure que je suis dessus. J'ai fait ça en une heure à peu près. Donc là, on voit que c'est vert, que ça passe au rouge et que on peut plus passer quand c'est rouge. Et que dès que c'est vert, hop, on peut passer. Donc c'est ça qui est cool. Donc là, hop, ça passe au rouge et on peut plus passer. Donc je vais vous juste montrer le système vite fait avant qu'on commence. Donc il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste des boucles de circuit. Donc là, en fait, je vous le dis, j'avais enregistré il y a 2 secondes. Et je me suis aperçu que j'ai enregistré que l'audio. Donc, un tuto sans la vidéo, ce n'est pas très très utile. Voilà, donc là, on va recommencer. Attendez, je regarde juste un truc. Dites-moi que j'ai tout bien enregistré comme il faut. Dites-moi que j'ai tout... Oui, oui, parfait. Ça devrait marcher. oui, donc c'est des boucles de circuit en répétition constante avec un système d'activation de piston. Donc on va faire ça. Bon, on va le faire là. Vous voyez, on en a fait un là, on va le faire ici. Hop là. Donc vous imaginez une route. Donc je fais ça sur 4, comme ça on a bien plus de place pour passer. C'est ça qui est cool. Donc ici, ce sera votre route, mais pour l'instant, on va mettre les pistons. Donc ici, 4 petits pistons. Merde. Hop. Et ici, on va faire l'escalier qui mène à la surface. Voilà. Donc là, on va mettre les barrières. Attention, voilà les barrières. Et voilà, donc là, on a notre système de barrières qui sera activé à la fin du tuto. Donc ici, vous imaginez votre route comme ça. Donc là, on peut reboucher. C'est pour ça qu'ici il faut faire 2. Hop là. Et une fois que c'est fait, on va commencer la structure du feu rouge. Donc c'est très simple. Pour faire le feu rouge, c'est comme ça. Donc en fait, à chaque fois, le feu rouge il va être très très grand. Mais bon, on est obligé, hein, c'est Minecraft. Hein. Essayez de refaire votre maison, elle va d'un coup doubler en taille. Hein. Ça ne va plus être la même maison au niveau taille. Hein. Vous pouvez refaire exactement la même maison. Hein. Enfin, moi personnellement, j'ai fait ma maison. C'est pas du tout la même taille. En gros, ma maison, sur un plan, elle serait comme ça. Et sur Minecraft, elle est comme ça. c'est vraiment compliqué de respecter les normes. Donc voilà notre feu rouge. Hein, dans la vraie vie, il est comme ça. donc là on va faire on va mettre les pistons. Hop, alors c'est très simple, pour mettre les pistons il vous faut juste les mettre comme ça. Hop là. Et une fois que ça c'est fait, vous enlevez tout ce qu'il y a au-dessus et en dessous pour pas qu'on ait de problème de smart piston. Voilà. Donc ensuite vous mettez la laine. Rouge, orange. N'importe quoi, c'est le contraire. Hop, vert. Hop là. Donc, une fois que ça c'est fait, donc là, on voit que ça ressemble à un feu rouge. Et maintenant, on va s'attaquer au système vert. Donc, pour faire le système vert, c'est pas très très compliqué. C'est les boucles, quoi. C'est pour ça que je fais le tuto. C'est pour vous apprendre à le faire. Donc ici on va faire une mémoire. Donc la mémoire, donc c'est exactement le même principe
que dans l'épisode que pour la machine à compter numérique, il y a un système de mémoire avec un mode de reset, sauf que là on va utiliser un mode de reset plus un mode de reset bouclé. Bouclé donc à l'infini, qui ne s'arrête jamais. Donc on va remettre le jour. Allez. Ah, d'accord. Oh, j'ai mal au cou. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre, donc là, le piston est sur mode off. Donc, il est sur mode off, mais on veut que quand ça se soit activé, on veut que le piston se rallume. Forcément, on va pas, on va pas aller réactiver le feu rouge à chaque fois qu'il s'éteint. Je vous promets, ce sera marrant en deux minutes, mais au bout d'un moment donné, vous allez vous dire... voilà. Donc vous faites un chemin répéteur quoi, mais ça moi je fais ça au pif à chaque fois, puis je règle après. Ça c'est, en fait c'est avec ça qu'on va le programmer. Donc là on va voir qu'il est sur on, qui va s'éteindre le piston. Oui, enfin voilà, il va s'éteindre. Donc là il est sur on. Donc là il est sur vert. Et dès qu'on va inverser la mémoire, hop, il va s'éteindre. Donc il va, donc là, il va être sur rouge. Et hop, il va repasser sur vert. Sauf que là, il va pas... Bon, putain, je vous jure, ils vont me faire chier les moutons. Ils vont me faire chier. Voilà, dégage. Sauf que là... oh, d'accord, le mouton. Sauf que là, eh ben, ça se réactive pas. Donc, il faut faire un système de reset bouclé. Donc, pour ça, c'est... très simple. Vous faites la même chose de l'autre côté mais en plus grand pour que là ça va mesurer votre temps d'ouverture. Putain, le mouton, je vais le faire en poule, je vais le faire, je vais manger du mouton ce soir. Hop. Ça doit être, ouais c'est bon là. Donc sur 4 à chaque fois pour que ce soit un max long, parce qu'un feu rouge faut que ça dure un petit peu longtemps quand même. Et donc là on va voir que dès qu'on active tout cela, et ben ça va marcher indéfiniment. Donc là notre feu est vert, il revient à 0. Donc là on peut passer. Ah, j'ai dû oublier de boucler où est-ce que j'ai oublié de boucler? Ah oui, j'ai oublié de boucler ici. Donc on va le refaire. Donc, hop. Notre système est sur le rouge. Il passe au vert. Se désactive. Maintenant, il repasse au rouge. Il repasse au vert. Il repasse au rouge. Il repasse au vert. Donc voilà, donc là c'est indéfini. Infini, pardon. Là on a fait la partie verte. Donc en fait la partie orange on la fera pas. Parce qu'en fait elle sert à rien. Au début, enfin pour l'instant elle sert à rien. Donc peut-être que dans une autre partie je ferai un vite, très 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 vite fait un tuto. Hein, juste pour vous expliquer les branchements du... juste pour vous expliquer les branchements du orange, mais je vais vraiment vraiment pas faire un truc de plus de 5 minutes hein. Enfin non, peut-être pas un truc de 5 minutes, mais pas plus de 10 minutes hein. Donc là bah vous faites un escalier qui va jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc là on va refaire une mémoire. Donc la mémoire on va la faire. Hop. Donc là, il ne va pas s'allumer vu que je ne l'ai pas branché. Donc on va le brancher maintenant. Voilà, donc normalement, voilà. Voilà. Donc là, on peut voir que notre piston rouge est activé, mais tout le temps. Là, on veut le programmer.
Donc on voit que notre piston vert, voilà, notre piston vert se désactive quand il arrive ici. Donc ce qu'on va faire, c'est un système qui, en partant là, va aller non, on va le faire ici, qui va activer cette mémoire. Voilà, donc là je vais vous montrer juste maintenant. Bah non, je peux pas vous montrer maintenant parce que ça va falloir que je revienne. Maintenant, donc ça, en gros, dès que... Bah là, ça va pas marcher parce que la mémoire est pas mise en place correctement. Mais vous allez... Enfin, voilà quoi. Là, je l'ai pas mis au bon moment. Vous allez voir que dès que le vert... Voilà, là c'est rouge. Et donc là, il faut qu'il se retire maintenant. Donc pour ça, et bon, on va faire comme tout à l'heure. Hop, donc un retardateur ici, enfin un répéteur, pardon. Hop, donc pas besoin de faire un truc très haut, juste comme ça. Oui, bien joué, rien. Hop. Même pas besoin d'aller si loin. Hop. Hop, voilà, comme ça on peut mettre un répéteur ici. Donc il faut quand même que vous puissiez mettre deux ou trois répéteurs hein, pour que ça dure un petit peu de temps quand même. N'oubliez pas de reboucher les coins, ça m'arrive souvent de faire les répéteurs comme ça parce que ça me saoule un peu et puis finalement d'oublier de mettre les coins. Et donc là normalement on devrait voir que tout est correctement installé. Donc là, il est sur vert. Et à l'inverse, il va repasser. Ah bah oui, c'est sûr que ça marchera mieux comme ça. Voilà. Donc là, il est sur le rouge. Il passe sur le vert et au moment où normalement il se rétracte, il y aura un petit décalage et il va repasser sur le rouge. Voilà. Et normalement c'est parfaitement synchro pour l'autre. Ah ouais, ça c'est stylé parce que sur l'autre il n'est pas synchro exactement. Là il est vraiment synchro au niveau des deux. Maintenant, ouais, ça c'est vraiment cool. Donc maintenant, bon, on va voir le système de barrière. Donc le système de barrière est vraiment tout con. En fait, le but, ça va juste être de relier tout ça comme ça. Hop. Donc en dessous, quoi. Hop. À votre système qui, quand va s'allumer, va faire... Voilà, donc là, vous pouvez mettre... Un répéteur, normalement ça marchera. Ah, il en manque un peu. Donc là, normalement, dès que ça va passer sur le rouge, les barrières vont se lever. Voilà. Et instantanément, dès que ça passe sur le vert, ça se baisse. Bah là, c'est un feu assez rapide quand même. Donc en fait, ça, on va le boucher. Enfin, non, on va le laisser, ça fait joli. Donc là, limite, ce que vous pouvez faire, c'est en rajouter un ici. Voilà, ça durera un tout petit peu plus longtemps, je pense. Bah non. Il faut au contraire que je... Bah après, si vous voulez en enlever un, vous rajoutez un répéteur là, un répéteur là-bas. Faut toujours que ce soit la même chose, hein, pour que ça reste la même chose tout le temps. Si vous en rajoutez 15 là et que vous en mettez 2 là, bah ça va peut très très bien le faire. Bah écoutez, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Que si vous n'avez pas compris quelque chose, bah n'hésitez surtout pas à me le dire. Que je puisse vous aider dans les commentaires. On va le mettre là lui aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, donc, je regarde une dernière fois si ça marche. Voilà. Donc,
Donc en fait, j'ai mis des barrières parce que je sais très bien que, oh, c'est rouge, allez, on s'en fout, hein, on passe, hein. Et bah non, mon gars, tu peux pas passer parce que en mode survival, tu peux pas passer des barrières. Voilà. Donc en gros, ça peut servir à vous programmer le passage d'un train, par exemple. Et par exemple, vous pouvez faire ce système-là pour des gares. En gros, ça vous enferme dans un enclos, et puis dès que le train arrive, il s'arrête, vous libère, et vous pouvez aller dans le train, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça marche comme ça. Voilà. C'est fini. Cette fois, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à faire un petit tour sur ma chaîne. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai des problèmes d'internet, donc j'espère pouvoir uploader ma vidéo ce soir. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour un nouvel épisode, pour un nouveau tuto, et je vous dis ciao ciao!